Bonjour, mon nom est Paul-Octave Hébert. Je voulais faire une vidéo pour mes friends de Vutu sur comment je me suis tellement bon et compétent de la langue française. Richard Simcoe de Vutu était aussi très inspirant en université et cette vidéo est pour lui assez bien. Tout d'abord, j'ai commencé à apprendre le français à Lassie avec une femme nommée Denise Boulanger. Elle, le français, était très disparaît et désorganisée, mais j'ai aimé ses méthodes d'enseignement et nous avons utilisé la pierre de recette souvent que nous avons appuyée dans la méthode semi-immersion de la classe. Elle a elle-même n'était pas un bon professeur, mais le manuel m'a donné accès à beaucoup de vocabulaire et base de yo française et m'a aussi donné quelques choses les plus concrètes depuis 12 ans et je vais. Que je vais, puis à l'espagnol aussi. De ce point que je jouerai à parler au téléphone avec des proches de la Louisiane, commander de la nourriture dans un restaurant et la compétence de base. Mais mon intervention était très écrêtée des baguillements et c'est mon point, il n'y avait plus de travail. Après mon diplôme, j'étais étudiant missionnaire en Alberta francophone. Pendant 6 semaines, et resté avec une famille bilingue et Calgary est vraiment plus palais à entendre l'expérience tout en vivant avec la famille. J'ai aussi beaucoup appuyé sur la culture de la société ici et été autorisé à explorer ce palais français. Alors que là, j'ai terminé le premier parcours de la pierre de Rosette et une certaine expérience traditionnelle de l'Asie quand j'ai appuyé de notes sur le terrain. J'ai lu un Bible français souvent et toujours avant ma pratique de lire la culture sûre. Mais je n'ai pas encore lu la culture juive ou musulmane en français. J'ai aussi parlé à mon professeur deuxième, qui était Edouard Cuisinaire, qui enseigne le français à Boulogne, en anglais. J'ai pu apprendre des mots plus intranscriptibles de lui. Aussi, j'appuie beaucoup avec la mari de la maison qui avait des enfants et trop d'expérience. Nous avons travaillé dans un pépinière qui occupait des enfants à bas âge et de voir comment français élèvent leurs enfants. Adorer Dieu et faire du shopping dans les magasins français, mais dans une grande audience et pas long d'expérience. Quand je suis allé à la collège communautaire à Ovensburg, il n'y avait aucun cours préparatoire français là, donc je devais avoir les interdisciplines à nommer comme un zèle d'apprendre. Pendant 2 ans, je regardais tous mes dessins comme Sonic, les Hussons, Donkey Kong et les bananes au pyjama en français. À la version canadienne et yo français, en obtenu à audience grande expérience de celle. Ainsi, je joue à mes échecs avec les Haïtien et Antillien ou l'Ouest des Kentucky a gagné plus parler là. Ainsi, j'ai commencé à jouer mes jeux vidéo de cette langue comme Appel de devoir et Jedi Chevalier Academy de Jedi. Un jeu de vidéo à vœux. Excusez-moi. Mais aussi pour moi-même de les jeux de la France, qu'ils de Banjo-Kazooie à Mario Papier de la Nintendo 64. Dans ma troisième année, j'ai lu, excusez-moi, la connaissance de la morphologie du verbe et la conjugaison de parler comme étudiant de l'école moyenne également. Après ma deuxième année, que j'ai scellé d'amitié avec un jeune adulte camarade nommé Thomas Vial, et nous avons parlé sur Skype pendant plusieurs mois et de mon mal à mourir beaucoup plus. Même si j'ai y passé du sud des États-Unis et que vous entendiez maintenant, j'espère. Et j'ai fait quelques erreurs et debout tous mes amis français, c'est rien, mais en cours, j'ai continué et n'ai jamais abandonné. Par ma quatrième année, j'ai pu apprendre l'argot, écouter mes genres préférés de la musique française, et écouter debout comique, c'est avoir besoin d'avoir des sous-titres. Mais je regardais Le Seigneur des Agneaux et autres films en français, avec les sous-titres et audio sur fréquemment acquis, excusez-moi, beaucoup de la connaissance là. Après que j'ai eu un vocabulaire fort et le contrôle des bases verbales de la langue, le reste vient de tomber en place à ce niveau. Après tout le trois niveaux de la pierre de Rosette, j'ai une maîtrise suffisante de la langue, un texte sur mon téléphone portable et de Skype,
avec mon ami Kevin Van Hove, un ami belge, et de Thomas sans aucun problème. La clé de puissance est un stage du français et de savoir comment homophonique, c'est ainsi embellir vous-même à l'intérieur de la langue. Les noms n'ont aucun, car il y a aucune qualité de neutre à toute langue. Elles sont très importantes à apprendre. Il faut comment gauloir la langue est compliquée d'un mot anglais et près des divisions quand c'est bien quelqu'un des pronoms innommables. Chantez à vous-même, parlez à vous-même. Et pour autres gênants de faire des erreurs, devenez le honte des personnes, de penser comme ils pensent, se sentent comme ils sentent. Ils font salir votre esprit et aussi également prendre la parole et écouter dur. Dur. Aussi, apprendre des mots standards et garder les choses simples et essayer d'être un étudiant de fantasticheur, mais entrer en jauge mot. Apprendre qui c'est plus vont comprendre les gens de commun. Même chose en anglais, utilisez 500 mots pour le temps de vocabulaire plus classe viendra avec le temps de la pratique. Et motivation est la clé. Si vous n'êtes motivé pour apprendre, vous n'allez pas apprendre en vous devez. C'est édifier votre propre estime et soi de la couverture de la langue. Persévérer et être très patient de votre quête. Maintenant, je suis mon cinquième année de la formation et je suis sur de Pierre de Rosette, niveau 5, et on écrit ma première histoire courte en français et j'ai la capacité de la rime et déclamer avec extravagance moi-même dans la langue. Mes mots français préférés sont des verbes, des chagrins et des rancunes. J'aime aussi travailler ou en anglais, witch, et qui embrasseur ou en anglais, warlock. Et mec, ou en anglais dude, et kiff, avec le hatradash. Ainsi, j'espère que vous aimez regarder mes vidéos, la gare, Dieu bénisse vous, et vive la mère France. Au revoir. Un moment, j'ai fermé la vidéo.